Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 14 décembre 2019, 4h52, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Un Monde à l'envers, c'est tout un monde, puis ça comprend votre monde aussi parce que c'est beaucoup de liens et de messages qui me viennent de partout que je vous partage et qui ont toujours, toujours une importance primordiale et, dans le fond, suscitent une curiosité encore plus grande chez tout le monde, ces liens-là, ils piquent vraiment notre envie de savoir plus. Donc, comme d'habitude, je vous laisse toujours les liens de ce que je vous partage dans la boîte de description. Des scientifiques révèlent un lien entre le fast-food et les maladies mentales. Des scientifiques américains de l'Université de Loma Linda ont établi un lien entre la malbouffe et les maladies mentales. Apprend-on des résultats d'une étude publiée dans la revue internationale Journal of Food Sciences and Nutrition. Des scientifiques américains de l'Université de Loma Linda ont analysé les habitudes alimentaires de diverses personnes et les ont comparées à leur santé mentale. Ainsi, leur étude publiée dans la revue International Journal of Food Sciences and Nutrition a démontré que les personnes qui consommaient souvent de la malbouffe étaient plus souvent inclinées aux troubles mentaux. Au total, les chercheurs ont examiné les données de plus de 240 enquêtes téléphoniques réalisées entre 2005 et 2015 dans le cadre de l'enquête pluriannuelle du California Health Interview Survey. L'étude a par la suite révélé que près de 17 % des adultes californiens souffraient probablement de maladies mentales, 13,2 en détresse psychologique modérée et 3,7 en détresse psychologique grave. En particulier, il a été établi que l'augmentation de l'apport en sucre était associée à un trouble bipolaire et que la consommation d'aliments grillés ou contenant de grandes quantités de sucre et de céréales transformées était associée à la dépression. Cependant, les scientifiques ont souligné qu'il fallait organiser d'autres études pour répondre de manière définitive à la question sur les liens entre l'alimentation et la santé mentale. On sait que c'est un secret pour personne, hein? C'est un secret de Polichinelle, que l'alimentation a un impact majeur sur notre santé, notre personne, nos organes, notre âme aussi, sûrement, qui fait partie de toute cette enveloppe-là, et que si tu l'alimentes de produits négatifs pour ce qu'on représente comme entité, nous autres, hein, ben, c'est bien évident qu'il y aura des impacts majeurs sur notre santé. Et on le voit au quotidien, je vais ouvrir une parenthèse ici, moi j'ai quand même un certain âge, hein, 57 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand on arrive à un certain âge, on est plus conscient encore de ça, de notre santé, surtout quand on l'a encore, notre santé, et que tu vois plein de gens qui perdent leur santé à tout âge, mais qui commencent surtout autour de 50 ans à se dégrader encore plus, et tu es plus sensible et éveillé à comment ton corps te parle. Ton corps te parle. Et souvent, quand tu vas faire un abus d'eau, même un abus d'eau, quand tu bois trop d'eau, tu te sens mal, tu es gonflé. Si tu fais un abus de sel, tu vas te sentir le lendemain vraiment le visage tout gonflé parce que tu retiens de l'eau. Si tu manges trop d'épices, ton corps va te parler, tu vas avoir des brûlements incroyables, tu vas transpirer. Et certains aliments que tu manges, des fois, vont te donner un inconfort vraiment, vraiment remarquable, puis tu t'en rends compte, mais tu continues à manger le même aliment, que tu le remanges, même si tu sais que tu vas avoir le même inconfort. Parce qu'il y a des réactions à des aliments qu'on mange. Notre corps a besoin de cette nourriture-là pour continuer à exister, à survivre. Et il y a des aliments qui sont beaucoup plus difficiles à digérer que d'autres, d'autres qui sont plus difficiles à assimiler, d'autres qui endommagent. Hein? Trop de sucre, trop de gras endommage le pancréas, ça t'amène des problèmes d'insuline et de diabète. Et enfin, la liste est longue, des problèmes cardiaques. Donc, tu le sais, que moi, j'ai un problème souvent avec les fibres. Si je mange des fibres, ben, je me retrouve avec un inconfort, un gonflement, je me sens vraiment mal, mais je continue à m'entêter à manger des fibres. Donc, il faut vraiment écouter son corps et éliminer ce qui nous rend mal à l'aise et inconfortable parce que ça a une influence sur tout l'ensemble de notre vie, notre comportement, puis notre capacité à se réaliser. Donc, la nourriture, c'est bien évident que c'est plus qu'essentiel
Et c'est vraiment important qu'on fasse attention à ce qu'on mange, parce que les implications d'une mauvaise alimentation, les conséquences de ça sont vraiment, vraiment majeures. Puis on peut l'éviter parce que c'est nous autres qui choisissons ce qu'on mange. Je vous reviens.